Aquascot est un engin, on ne peut pas dire que ce soit un bateau ni un sous-marin, puisque c'est un engin semi-submersible qui est conçu uniquement pour les promenades sous-marines ou semi-sous-marines en quelque sorte, pour monsieur tout le monde, pour 8 personnes, plus un pilote, dans les mers évidemment où les eaux sont claires. Depuis combien de temps travaillez-vous à ce projet ? Sur ce projet, en réalité, ce projet est la suite d'un certain nombre d'autres projets que nous avons fait d'ailleurs ici, de Galatée, qui est une maison sous-marine, et d'Aquabulle, qui est un laboratoire sous-marin. Le projet, la conception de base, date d'il y a 2 ans. Comme vous voyez en ce moment, on essaye la stabilité ici, et on va le mettre en mer à Dinard samedi prochain, donc le samedi 29. Il est prévu qu'on l'amène après à Hurghada, en mer Rouge, en Égypte, pour les environs du mois de novembre. Donc, dès le mois de novembre, il sera opérationnel. Vous parliez donc d'effets touristiques, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce qu'on peut parler également d'effets scientifiques ? Oui, en effet. Bon, cet engin ou ce type d'engin pourrait servir dans le cadre d'observation de phénomènes de pollution ou au contraire dans le cadre d'observation au niveau de la faune et de la flore dans un parc marin ou pourquoi pas au niveau de l'aquaculture pour vérifier un petit peu les cages sous-marines d'élevage aquacole.